Les musiciens et les chanteurs sont donc à la fête ce soir avec des concerts pour tous les goûts et de toutes les couleurs musicales. Bonjour Marianne. Bonjour. Alors vous êtes auteure, chanteuse et parolière. Vous avez sorti un petit album de 5 titres et vous commencez à faire votre chemin à Grenoble, où vous vivez depuis une dizaine d'années. Voilà. Vous accepteriez de jouer devant des détenus ? Avec plaisir. Ça ne m'a pas encore été proposé, mais avec plaisir, bien sûr. Ça peut être impressionnant. Oui, j'imagine. Alors, quel était votre premier tremplin ? Une fête de la musique ? Voilà, la fête de la musique au Jardin de Ville à Grenoble. C'était le plateau France Bleu Isère. Donc, j'ai pu me produire à ce moment-là. C'était une très, très belle expérience, un grand moment pour moi aussi. Et vous allez vous produire ce soir pour la fête de la musique sur le grand podium des Binces. Alors, comment commence le track chez vous ? C'est juste avant la scène, dès aujourd'hui, alors, la veille ? Ça dépend. Parfois, c'est quelques jours avant. Déjà, on commence à y penser, on commence à s'imaginer sur scène et tout ça. Et puis, petit à petit, on arrive le jour même. Et là, quand on arrive devant la scène, on se dit bon, bah là, ça va bientôt être mon tour. Et puis, alors, au moment de jouer, c'est vraiment là. Et quand on commence, on se détend après. Vous êtes seule sur scène ou accompagnée ? Alors, je suis accompagnée par un percussionniste. D'accord. Voilà. Qui sera là. Qui va. Voilà, qui joue donc toutes les chansons que vous allez proposer. Voilà, vous faisiez des reprises de chansons avant d'écrire et d'interpréter vos propres chansons. Ça a commencé comme ça ? Oui, c'est comme ça qu'a commencé. Quel genre de musique ? Alors, j'étais plutôt sur de la musique anglo-saxonne, des reprises de chansons, de pop, de rock. Voilà. J'ai commencé dans les bars, pour tout vous dire. Et puis, petit à petit, j'ai étoffé, j'ai développé des projets, notamment les Swingers, avec lesquels je joue énormément. Et puis, ce projet compo. Qui s'appelle Marianne. Et aujourd'hui, vous vivez de votre musique ? Oui. Bien ? Oui. Oui, 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 ça va. C'est-à-dire pour donner une idée à ceux qui veulent se lancer ? C'est-à-dire que j'ai des concerts, j'ai une équipe qui m'entoure aussi, donc là, c'est plutôt chouette. Je profite. Alors, Tout ce qu'elle est, c'est le nom de l'album, c'est aussi une des chansons, Le temps qui passe, J'ai pas envie. Ce sont des histoires que vous racontez aux gens ou des états d'âme, des ressentis ? Alors, c'est des histoires qui me concernent, mais qui, par extension, peuvent concerner tout un chacun. Tout le monde peut s'y retrouver. Des histoires de la vie de tous les jours. De la vie de tous les jours. D'amour, d'amitié. Alors, je vous propose de nous mettre l'eau à la bouche, justement, avec un petit morceau pour refermer ce journal, Marianne. Oui. Qu'on pourra entendre sur scène, j'imagine, voilà, ce soir fait, et demain. Donc, là, c'est plus confidentiel, c'est plus intime. Qu'est-ce que vous nous proposez comme titre ? C'est la chanson Tout ce qu'elle est qui donne le titre de l'album. Et qui raconte ? Et qui parle d'une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Voilà, on va refermer ce journal sur cette chanson de Marianne. Rendez-vous ce soir à 19h pour un prochain Journal des Alpes. Ce sera en compagnie de Pauline Allot. Voici Marianne, Tout ce qu'elle est. On écoute. Et merci. Merci. Elle me dit souvent. Qu'assumer ce qu'on est, c'est un peu militer. Elle me dit tout le temps qu'à trop faire des manières, je fais machine arrière. Et moi, je passe mon temps à chercher comment faire avec mon amour à terre. Et pourtant malgré ça, et pourtant malgré moi, j'aime tout ce qu'elle est, son regard, ses histoires, ses retards, son regard noir. Je serai tout ce qu'elle veut, ordonnée, bien rangée, allumée, délurée. Oh, j'aime tout ce qu'elle est, ses travers, ses impairs, ses retours en arrière. Je serai tout ce qu'elle veut. Et pourtant malgré ça.